Bonjour, c'est Sébastien. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un mini tuto sur une nouvelle fonction de PowerPoint et PowerPoint Online, le lecteur immersif. J'ai déjà réalisé plusieurs tutos sur le sujet, mais ici, on va voir que cette nouvelle technologie développée par Microsoft permet d'adapter les contenus textuels aux élèves ou personnes à besoins spécifiques en lecture de manière complètement automatisée. C'était déjà présent dans Word, dans Forms, dans Teams, dans OneNote, et donc maintenant, c'est également disponible pour les textes, des diapos, dans les diaporamas PowerPoint. On regarde ça ensemble, c'est par ici que ça se passe. Pour ce rapide tuto, je suis tout simplement connecté sur PowerPoint Online, mais je peux aussi utiliser la même astuce dans PowerPoint professionnel si je dispose de la suite Office 365 installée sur mon ordinateur. Il me suffit de sélectionner n'importe quelle diapositive, que j'y ai accès en lecture ou en écriture. À partir de là, je fais un clic droit sur n'importe quelle zone de texte et je dispose dans le menu contextuel du bouton Ouvrir dans le lecteur immersif. Lorsque je l'actionne, je retrouve une interface connue et déjà présentée plusieurs fois dans mes tutos qui me permet de composer mon interface de lecture de manière personnalisée et en fonction de mes besoins spécifiques. Et voilà qui clôture ce mini tuto. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a semblé utile. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne afin de soutenir tous les tutos que je réalise et me motiver à en créer encore d'autres. À bientôt!